Je suis en direct. Est-ce qu'apparemment ça marche ou pas? Je vais vérifier. Oui. Spectateur simultané. Ok. Oui, 11h01 et ça marche. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est correct? Bien, ben je pense qu'on va commencer. Est-ce que les gens sont prêts? Ok, allez. On va déjà saluer Ritsu. Oui. Alors, on va travailler ce matin Nijushyo. On va le bosser de la façon suivante, séquence par séquence avec les points importants que l'on retrouve dans chaque séquence. Et on va le travailler toujours quasiment sur place, petit morceau par petit morceau. Vous avez vu, j'ai pu monter d'un étage. Parce que la soufflerie est arrêtée, il fait suffisamment chaud et travaille un petit peu plus avec la lumière du soleil. Voilà. Eh bien, écoutez, on est parti. On va déjà s'échauffer au niveau du bassin, main sur les hanches. J'espère que vous avez déjà commencé un petit peu à monter au niveau cardio. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a fait du global. Maintenant, on relâche bien le bassin, les hanches. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on vient travailler ici, bien équité. 1, je tire. 2, 3, connectez les omoplates. 4, 5, 6, 7, gardez la flexion sur les jambes, 8, 9, 10, l'autre, 1, et on relâche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les yeux bien à l'horizon, 9, inspire, 10, on relâche, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, on coupe un peu le mouvement.
6, 7, 8, 10. C'est bien. Allez, on lâche les jambes. 1, Maïgeri. 2, 3, 4, 5, les abdos qui travaillent. 6, 7, 8, 9, 10. On change de garde. 1, 2, 3, on envoie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Futodachi, ici, 1, 2, comme si je faisais de la pagaie. Je reviens de l'autre côté. Les bras sont relâchés. 1, 2, 3, bassin tourne, 5, 6, 8, 9, 10. Par contre, j'ai un bon enracinement derrière. Hein, et on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. On va devoir travailler pas mal Yokogeri, qui est très exigeant dans Ujishio. J'ouvre un peu les adducteurs, je descends et j'ouvre. Allez, je pousse à gauche, à droite. Je bascule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les mains, on tend et on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je resserre. 1, 2, 3, 4, 5. Je resserre. 1, 2, 3, 4, 5, je resserre, 1, 2, 3, 4, 5, je reviens, les mains sur les hanches à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens, 5, 4, 3, 2, 1, ici la main soit ouverte, soit fermée ici, sans forcer. Forme de Yoko. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on change de côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va démarrer. Je vais vous montrer à chaque fois, on ne va pas le bosser fort hein, aujourd'hui, je vais vous montrer à chaque fois, chaque séquence, trois fois doucement, et après on va les répéter. Et je mettrai quelques points clés sur lesquels il faut vraiment être attentif. Ok, allez, ici je vous le travaille de profil. Premier boulot, ça va être de la position d'yoï, ici monter les bras et descendre. Première chose, c'est la rotation du buste qui vous emmène en arrière et qui ramène les bras. Ici, 1, 2. Donc vous allez essayer de tirer votre équité au maximum pour passer complètement profil, ok, et être droit. Alors, petit point,
votre coude, votre épaule et votre flanc sont dans le même alignement. C'est devant que je protège avec ma forme osae uke. Pas ici, là. Hein. Ce qui fait que je protège toute la partie du buste. Deuxième mouvement. 1. Yoriashi. 1. Et là, je suis en appui. C'est à partir du sacrum. 1. Une main sur l'avant-bras. Et encore un yoriashi pour être en motodashi complètement sur l'avant. Là. OK. Donc, on va le bosser 3 fois doucement. Là. 1. Les bras m'emmènent en arrière. 2. 3. Et là, je me grandis. Je pousse et je suis bien vers l'avant. C'est en rapport avec le contrôle qu'on peut avoir sur un armlock. OK. Et on y retourne doucement. 1. 2. Là, il faut que ma jambe s'engage pour pouvoir pousser à nouveau. OK ? Non, il comptait pas. On y retourne. Allez, 2. 3. OK, et on souffle. On le fait maintenant, cette première séquence, on va la bosser 5 fois. Allez. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. Il y a vraiment dans Nujishu un mouvement de vague. Lent, puissant, lent. Il y a vraiment un rythme qui est cassé. Tout en douceur, j'absorbe, j'explose, je contrôle. Et il y a peu de brisures entre, contrairement au kata où 1, 2, 3. Il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit de travailler avec la respiration. 1, 2, 3. D'accord ? C'est de se rapprocher de son adversaire. Je l'emmène avec moi, je le tracte, je passe et je remonte. Je suis tout prêt. Ça va être une forme coup de coude, ça peut être une forme armlock, ça peut être brossé d'un bras frappé avec l'autre. Mais il y a cette idée de vague dans ce début. OK ? Ensuite, sur la séquence suivante. Donc, je vais travailler. Là, je me tourne le bassin de Awase Uke. On ne va pas chercher un grand mouvement très large et très extérieur. On vient chercher un mouvement qui est 1, 2. Protège notre corps. Je m'en fiche d'aller protéger au bout de mes bras, là, à 1 mètre de moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'intégrité de mon corps. Donc, ici, doucement, là, je tourne, 1, 2, et j'ai une forme Sanshin Dashi, Awase Uke. OK, on le fait 3 fois doucement. Allez. 1. Par contre, je suis stable sur mes appuis. Mon centre de gravité, il est vraiment entre mes deux jambes. Je tire, je frappe. 2. Attendez d'avoir la connexion au sol pour travailler votre équité. Si vous êtes dans le vide, tout va être chancelant.
Et 3, on y va. Là, maintenant, j'essaye de décontracter, je le travaille 5 fois plus tonique. Allez, 1. Hop, déséquilibre. Je m'évalue à chaque fois. 2. La tête précède, hein, le mouvement. 3. Quatre. Cinq. Et on souffle, on relâche. OK. Nickel. On passe à la suite. Buvez un coup. Donc, séquence suivante. 1, 2. Là, à partir des abdos, je viens fermer. D'accord ? Ce n'est pas les bras. Les bras reviennent parce que j'ai décidé de contracter. Je viens verrouiller, me protéger et poser en kakiwakeuke juste après. D'accord ? 1, 2. Là, à partir des abdos, 1, 2. Et là, je pousse avec ma hanche en avant. OK. 1, abdos. 2. Je profite du kakiwakeuke dans le mouvement de tomber vers l'avant. D'accord. Ici, de là, je tombe. Je pousse. Et je verrouille au niveau de la hanche. OK ? Là, je me protège, c'est un cover. On peut imaginer, c'est une des interprétations. C'est un cover, je suis en contact, mes bras viennent prendre les infos, je colle et j'avance sur la personne. D'accord ? Là, il faudrait un hooké pour vous montrer un petit peu. On est toujours au karaté avec des techniques très nettes. Il m'attaque. Bon, je casse. Qui attrape un bras au vol en le cassant de cette façon-là? Je suis désolé, ça n'existe pas. Par contre, le 1, je me protège. 2, mes mains viennent chercher le contact. C'est des capacités sensitives des mains, hein. C'est des senseurs. Ce sont des prises d'informations qu'elles me permettent de réaliser. Je me suis protégé. Les bras de l'adversaire sont en contact. Je viens... Je place ma hanche et ça permet comme ça de travailler en main collante, en tsuichu. On voit ça dans beaucoup de styles de karaté, mais pas dans des formes hyper propres, hyper clean, telles kata bunkai, qui ne sont pas réalistes, qui sont très très bien, mais non réalistes. Hop, j'ai perdu un bout de mon micro. Là. Voilà. Alors, on y retourne. Ici, je suis en awazé. 1, 2, ok, on va doucement, après, 1, 2, troisième fois, et on pousse avec la hanche là, ok, on le fait 5 fois, tonique, 1, et on revient. 2. Et on revient. 3. Et on revient. Poussez là. 4. Cinq. Ok.
La séquence suivante. En kata, je suis ici. J'ai poussé. Ma main vient donner ma direction de travail. Mes hanches se libèrent. Je suis ici. Jodhana Gyuke. Agenpi Uchi. Ok, je le fais un coup face à vous. Je suis ici. Là, ma main, mes hanches. C'est connecté, hein. Boom. 1, 2. Là, vous n'avez pas le bras comme si vous montriez les biceps. Vous avez la main et le radius en face du biceps avec une légère rotation, ce qui va permettre d'avoir une meilleure flexion au niveau du bras pour mieux placer son coude. Ok ? Donc, Jodhana Gyuke, Agenpi Uchi. Et c'est pas le coude qui vient frapper, c'est le corps qui tourne et qui monte. Ok ? On va doucement, 3 fois. Allez, 1. Et on revient. Ne serrez pas trop les poings. Vos poings sont fermés, mais ils sont fermés qu'à l'impact. Là, il n'y a pas d'impact. D'accord ? Il y a un petit impact ici. 1. Là, oui. 2. Là, mon poing, il n'est pas contracté. S'il est contracté, je me crispe. Allez, 3. Et on y va ensuite plus rapide. Et on y va 5 fois. Je pousse bien. 1. 2. Trois. Quatre. Cinq. Ok. J'ai poussé à fond. Là, je viens ouvrir. Donc, de cette partie-là, toujours pareil, ce sont les hanches qui gouverne le bassin et qui amène le corps au mouvement suivant. Je suis ici, j'ai frappé là, 1, et mon bras fait un cover. Si je dois vraiment exagérer, ma main, elle fait ça. Ce qui fait qu'au moment où je passe de mon Agenpi Uchi à mon Teisho, j'ai une protection. Ok ? Et là, on l'a travaillé, je suis plus au deuxième cours en live, je pousse et je tire. Je pousse avec le bras et je tire grâce à mon Ikite, et ce qui va libérer ici la hanche pour pouvoir partir plus net et plus clair sur le mouvement suivant. Ok ? On y va doucement, 3 fois. Là, je suis en zen, j'ai envoyé. Ici, premier mouvement, j'enroule. 1, je pousse et je reviens. Je passe en kiba. Hein. Ne cherchez pas à pousser les genoux trop à l'extérieur. Kiba, c'est pied, ligne médiane, genou, ligne centrale, hanche. Ok ? Donc, je pousse, je reviens. Et de là, je viens tirer Ikite et en même temps ramener le genou, frapper Gyaku. On va travailler cette séquence-là 3 fois. Allez, ici. 1, je pousse, je tire, je reste bien droit. 2, et je frappe Gyaku. Doucement, 2 fois. 1, 2, 3. Et on y retourne. Allez. Hop.
Souffle. Et on y va. 5 fois. 1. 2. 3. 4. 5. Et on souffle. Respirez. Buvez un coup. Et on passe à la séquence. Vous avez le son, j'espère que j'ai pas arraché et déconnecté complètement le micro. Donc séquence suivante. J'étais ici, j'ai frappé Yoko Gyaku. La même chose, 1. Et là, c'est la hanche, hop, qui envoie et qui repart. C'est toujours ce même mouvement. 1, 2, j'envoie et je retire la frappe. Ok, là, 1. Et pareil, comme j'ai poussé à fond, j'ai libéré la hanche. Et là, je tire. Et je frappe Gyaku. Allez, on y va. 3 fois, doucement. Je suis en Gyaku. Allez. 1. Je pousse, je tire. Ikité, super important. Et je frappe. 2. Essayez d'être en kekomi. Hein. Je sais que c'est pas évident comme mouvement. Allez, 3. Souffle un coup et on y va pour 5 fois. Tonique. Allez. 2. Relâchez le reste, hein. 3, c'est fait. 4, c'est fait. Et le dernier. Et on relâche. On respire. Et on voit la technique suivante. Forme osaeuke. Ok ? Je recule un petit peu. Là. Je suis en kiba, j'ai frappé Gyaku. Là, j'ai un retrait. Imaginez qu'on fonce sur vous. Pam, je viens prendre un retrait et ensuite avancer. C'est une forme d'absorption. Ok ? Donc ici, je suis en kiba, j'ai frappé. Pareil, c'est pas le bras et la jambe. C'est les abdos, les hanches qui font un retrait et le reste suit. Contrairement à ce qu'on peut croire, le karaté, on le voit souvent comme quelque chose d'hyper physique, ça l'est, mais avec tout en bras, tout en jambes et en cuisses. Or, un karaté intelligent, à long terme, c'est un karaté qui se base sur le centre. Le tronc central, les fesses, les ischios, d'accord ? Et beaucoup moins sur la cuisse pure.
Donc on va doucement. Là, un, retrait. Regardez ici, hop, j'ai un retrait. Donc là, un. Et juste après, de cette position-là, ici, mon roté teicho. Ok ? En bunkai, j'aime bien absorber. Après, c'est une frappe génitale, j'attrape. J'attrape à la gorge où je mets les doigts dans les yeux. C'est pas beau le karaté, hein ? C'est pas esthétique, c'est pas frappe tsuki, j'absorbe, je frappe en haut, je viens faire un kataguruma et je projette de l'autre côté. Faire du physique, parfait. Faire du karaté jutsu, ça marchera pas. Ok ? Allez, trois fois doucement. Allez, un. Pam. Là, ça me remet dans l'axe. Un. Deux. Et je reste bien enraciné. Et je pousse avec mon sacrum. Allez. Deux. Retrait. Kakete. Morote teisho. Vous aurez des variantes où les gens sont très en avant. Moi, j'aime bien rester, garder ma structure. C'est pas faux, hein. 3. Et on y va 5 fois. C'est un mouvement qui se fait en douceur. Donc, pas plus vite, mais travaillez votre inspi. Expi. 2. Trois. Quatre. Cinq. Et on souffle. Le mouvement suivant, toujours pareil, ça va être un Aito devant. Et une forme Aito Nagashi derrière. Si vous partez avec vos bras, vous allez vous faire entraîner par le mouvement. Avec le centre du corps. J'envoie et je verrouille. Ok ? Je vous le fais dans la suite du mouvement. Je suis ici, j'ai frappé. Là, je place et j'envoie. Gyaku Aito. Et par contre, les deux bras sont sur le même axe. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est, hop, sur le même axe. Et je vais y coller la suite. Là, je vais frapper. Je tourne. Un. Et là, c'est prise d'appui. Je prends contact et je remonte. Toujours pareil, si ce sont vos bras qui décide, vous allez manquer de précision. C'est le centre du corps qui vous donne l'indication. Un, là, deux. Parce que je ramène le corps, le bras suit. Et pas l'inverse. C'est une subtilité, mais elle est fondamentale. Ok ? On y va. Trois fois doucement. Là, un. Un, deux. Et on y retourne. Là. Deux. Trois. Trois. Attendez d'avoir pris le contact avec le sol pour bosser. Si, je le répète à chaque séance, je crois, si vous n'êtes pas en contact avec le sol, ça équivaut à avoir une Formule 1 avec des pneus lisses sur un sol mouillé. Vous n'avez pas d'adhérence, vous ne pouvez pas faire démarrer votre technique. Pas la peine d'avoir un gros enracinement et un gros ancrage de fou. Juste une prise de contact. Là, je peux redémarrer. C'est assez essentiel. Ok ? On y va maintenant 5 fois. Combien de temps reste-t-il ? Très bien. Allez, 1, 2,
3. Dernier. 5. Ok, soufflez. Là, après, pour le travailler un peu plus dans le rythme, pour passer la vidéo, vous mettez les séquences bout à bout. Si vous avez de la place, pour réaliser le kata dans son entier, avec l'embusen complet. Ok, là, on va passer à la partie suivante. Tadadam, pam. Ici. Là. 1. C'est osaeuke avec ici une prise, une saisie. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui arrive, vous le poussez et vous le faites éventuellement rouler. Ce que j'aime beaucoup, par exemple, on retrouve en Kali, en Krav, c'est contrôle de la nuque, contrôle de l'épaule. Je tourne la personne fait une rotation, elle tombe, et après, j'achève au sol. Lorsque vous envisagez vos bunkai, envisagez-les toujours sous la forme de frappe. Je me défends contre une frappe. Je me défends contre une saisie. Je me défends au corps à corps. C'est moi qui viens saisir et attraper. Je dois essayer d'explorer les possibilités du bunkai. Et quand j'exécute mon kata, quelque part, j'ai en tête des formes de travail. Ok ? Donc, je suis ici. 1. Je tire. 2. Morote Gedan Tsuki. Là, pareil, vous avez des personnes qui restent droites, d'autres qui sont hyper penchées. Peu importe. Moi, j'aime bien sur cette forme-là. 1. 2. Descendre légèrement. Sachant qu'après, moi, j'ai hop, mon élévateur en fonction de la personne, comment elle a chuté, etc. Je vais faire varier. Ok ? On va doucement, 3 fois. Là, ma main droite descend, la main gauche passe en dessous. De là, 1, tirer, 2. Et je reviens. Allez. 1, 2. Et une troisième fois doucement. 1, 2. Vous verrez, certains, il y a des changements de garde, il y en a qui travaillent plus en kokutsu. Tout ça, ce sont des variantes. Ce qui est important, c'est l'ancrage. Que vous passiez en ko, en fudo, ça n'a pas grande importance. Okay ? Là, sur ce mouvement-là, en variante, il y en a qui travaillent ici. 1, 2. Possible. Okay ? À vous de voir. Gardez le style de votre prof, de ce qu'on vous a enseigné. Introduisez ce qui vous intéresse dans mon travail. Allez, 5 fois. 1. Et la respiration. 2. 3. 4. 5. Ok, on arrive vraiment à la dernière partie de cette position Gedan Morote Tsuki. 1, 2. Là, mon ouverture de hanche va se faire grâce à mes abdos et pas à ma jambe qui part et le corps qui suit. C'est toujours le même principe que je fais travailler. Ici, doucement. 1, 1. J'arme, d'autres se redressent. Moi, je suis ici, j'arme, et là, 1. Et de là, je viens frapper. 1. Kibadashi Ageem Piuchi. 2. Gyakutsuki. Et ici, Osaeuke. Ce n'est pas la même chose que dans Nidan. Là, et là, retrait. Gedan Barai. 3 fois doucement, 3 fois fort. Ok ? Doucement. Pam. 1. Là, faites attention
le pied qui est au sol, il faut qu'il, enfin le pied arrière, il faut qu'il se remette dans l'axe. D'accord ? Parce qu'il est en fudo. Si je fais que ouvrir comme ça, je ne suis plus en kokutsu. J'ai complètement déstructuré ma position et je n'arriverai pas à avoir une impulsion correcte. Donc on y va. 1, 2, je rentre. 1, yoriashi, 2, 3. Et je recommence. Doucement. 1, 1, 3. Troisième doucement. Ok. 5 fois plus fort. Il reste encore 1, 2, 3 séquences. Et on est bon. Allez. On y va. 1. Inspire. Un dernier. Soufflez. On respire. Merci Christophe pour la confirmation du son. Alors, là, je passe à la séquence suivante. Un petit truc aussi, à ma connaissance, en Shotokan, dans Nijushyo, c'est le seul kata où on va retrouver un yoriashi. D'accord ? Pour moi, ça représente quelque chose parce que yoriashi, c'est vraiment le mouvement d'adaptation de distance par excellence. Donc, c'est vraiment très intéressant de se dire que dans ce kata-là, qui pour moi est très riche de bunkai, il introduit le mouvement du yoriashi. Autre chose, jadis, naguère, dans des temps anciens, les katas, les gens en apprenaient 3, 4 maximum pour toute une vie. Pas besoin de plus. Il n'y avait pas ce côté, je connais les 28 du Shotokan, ou moi je les connais tous, ou c'était pas ça le propos. C'était de rentrer dans un kata et d'en faire un système de self-défense complet. À cet égard, les 5 Eyan, qui sont issus de Kankudai, sont vraiment excellents. En bossant les 5 Eyan, vous avez de quoi faire de la self pour toute votre vie. Okay ? Par contre, il faut rentrer dans le détail, travailler en forme de base, le bunkai, travailler en forme Ura, à l'envers, en forme Omote, caché, en forme Oyo, libre de déplacement. Il faut essayer d'explorer comme ça les différentes formes de travail de kata. Et vous verrez que votre kata d'un truc répétitif, ça devient un véritable arbre à connaissances. Ok, allez, j'ai pu souffler. Donc, pom pom pom, 1, 2, 3, je suis ici. Là. 1, là c'est pareil, c'est transfert de poids du corps, ouverture, je tire bien, et là, 1, 2, je ferme et je bloque. Alors, je bloque, c'est entre le blocage et la frappe Gedan. C'est pas un Gedan Barai, c'est un Gedan Tsuki. Et là, vous avez une forme, admettons qu'on vous saisisse, je dégage, je frappe, et j'envoie le bras vers le bas. Donc, ne faites pas 1, 2. Ce n'est pas un Gedan Barai. 1, 2. C'est comme dans Basai, ce sont
3 Gedan Tsuki, pas 3 Gedan Barai. Doucement, deux fois, trois fois, pardon. Allez, je suis ici. 1, 2, je tire. 1, 2, et je reviens. Encore, je replace. 2, je replace. 3. Là, lorsque vous êtes là, 1, vous passez par le milieu et vous tournez ensuite. Le kokutsu qui s'ouvre, il va vous permettre de passer correctement votre pied. Si on était là, il faudrait d'abord ouvrir pour ensuite passer kokutsu ayumiyashi. Là, le boulot, il est fait par le mouvement préparatoire. On y va. Allez, 5 fois. 1. 2. C'est votre corps qui vous emmène. 2. Hein. Transfert de poids de corps. 3. Hein. 4. 5. Ok. On passe à la suite. Avant-dernière séquence, je suis ici. Je repasse par le milieu et je viens ouvrir. Assez. Il faut essayer d'être en contact léger avec le sol. Ok. Je suis là. 1. Et j'ouvre. Imaginez que vous vouliez passer entre une personne et le mur. Vous allez traverser comme ça. Là, c'est un peu pareil. Je suis en position. Si je le fais de face. Là. 1. Et j'ouvre. Voilà. Et de là, je refais ma même séquence. 1, 2, 3. Ça roule et on reste décontracté. Alors, pour être dans le même, ok. Donc là, je travaille, c'est des angles droits, mais on part à 45 degrés au départ. Ce qui fait que ma croix, elle est dans cette direction-là. Allez, on est ici, doucement. 1, je remets vers le centre, je suis en forme Neko, j'ouvre. 1, 2, 3. Et on y retourne. 2. 3. 3. Ok, on préférera toujours voir quelqu'un qui agrippe un peu le sol parce qu'il recherche le contact que quelqu'un qui fait ça. Là, il n'y a pas de contrôle, c'est je jette la jambe, je perds l'équilibre et je le récupère à la fin. Allez, on y va, 5 fois. Allez, 1. 2. 3. 4. 5.
Ok. On souffle. Dernière partie. Donc, là, il va y avoir un recentrage sur l'axe central. Parce que sinon, on finit à côté du kata. Il ne faut pas oublier ce petit détail. Donc, je suis ici. Je vais le travailler. Pom, pom, pom. Et là, pour finir en face de vous, je vais faire à peu près 1 mètre pour me retrouver vraiment sur l'axe et le point de départ. Ok, je vous montre la séquence. Là, ici, c'est je ferme. Ok. Et juste ce mouvement-là. D'accord? On y va. 3 fois doucement. Allez, je repasse dans l'axe central. Je décale, c'est ma jambe. Hop, mes bras. 1, je suis en position. 2. Et ma washi-uke. Là, qui font double. Qui font simple, ça c'est à vous de garder la forme que l'on vous a enseignée. Allez, hop. 2. Là, j'enracine, qui n'a rien à voir avec l'auteur français. Allez, on continue. Tum-tum-tum. Dernière fois, et après on travaille 5 fois fort. Regard. Hanche. Awazeuke. Et je me mets bien dans le sol. Allez, 5 fois. On y va. Allez, 1. 1. Et le regard loin devant. 2. Il y en a qui vont travailler avec les doigts joints, peu importe. Bossez comme vous en avez l'habitude. Allez. 3. Par contre, tout est aligné. Genou, main, l'autre main. Dos creux, dos rond. Un 4. Dernier. Allez, 5. Hey yo. Et je salue. Bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais m'installer près de la caméra. Enfin, je vais bouger la caméra et l'installer près de moi. Et je vous invite à faire le salut, Ritsu. Allez. Et voilà. Voilà, je prends 5 minutes. Pour répondre à vos questions, si vous avez des petits points à questionner, des interrogations, en tout cas,
Moi, j'ai bien bossé, plus l'entraînement que je me suis fait avant, je suis rincé. De rien, Christophe, ça me fait plaisir. Plus t'es fait que tu sois là, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, voilà, moi, la façon dont je vous ai fait bosser le kata, c'est la façon dont je le travaille pour moi, une partie. C'est-à-dire que je vois chaque séquence, indépendamment les unes des autres, avec toujours les mouvements de transition. C'est-à-dire s'il y a une rotation de la séquence A à la séquence B, je m'arrête à la fin de la séquence A, je fais mon mouvement de rotation pour la rattacher à la séquence B. Et je bosse comme ça, trois fois doucement, cinq fois fort. Après, ça va dépendre aussi du type d'entraînement que je fais. Et de rien, Karine, ça fait plaisir. Et après, une fois que j'ai réalisé ces choses-là, j'essaye de dégager des blocs de travail. Des blocs, ça va être 3, 4, 5 séquences. Par exemple, pour moi, le premier bloc de Nijushio, c'est 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le premier bloc. Et ça, je vais le bosser pareil, 3, 4, 5 fois. Après, je vais le laisser tomber, je vais rebosser le bloc suivant, qui va être, par exemple, le yoko, kakete, teisho, 1, 2, 3, 4. Et ça va être le bloc suivant. Je vais le bosser 5-6 fois. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça jusqu'à la fin de mon kata. Ce qui fait que je vais dégager, grosso modo, suivant la longueur des katas, 4, 5, 6 blocs. Et après, je les remets par deux. Je prends les deux premiers blocs, je les bosse. Je prends les deux blocs numéro 3, numéro 4, je les bosse. Et après, je bosse le 5 et le 6. Et après, je rebosse, je prends les trois premiers, je les mets ensemble. Je mets les trois derniers, je les mets ensemble. Et après, je bosse le kata en entier. Ce qui fait que j'ai toujours un travail de liaison qui peut se faire. Et tout doucement, comme ça, j'imprime un rythme à mon kata. Qui va être non pas un rythme imposé par ce que j'ai vu en compétition, les formes physiques hyper techniques, mais quelque chose qui va être de l'ordre du ressenti. Et parallèlement à ça, je vais essayer toujours de bosser aussi et de réfléchir à mon interprétation, à la lecture de mon kata, c'est-à-dire mon bunkai. Voilà. C'était un petit peu ça que je voulais vous faire partager. Pas de questions, quelques positions à bosser, les bras qui s'en mêlent à la fin. Mais à bosser, bah oui, à bosser. On en est tous là, c'est à bosser. Donc, voilà, écoutez, si il n'y a rien d'autre, je vais attendre. Et puis, 2 secondes. Et puis, vous dire au revoir si c'est tout bon. Bien, je vois qu'il n'y a pas de questions, ça bouge pas. Ah, merci, bon appétit Christophe. Je t'embrasse. Et puis merci à tous ceux qui ont participé à cet entraînement. Et puis à ceux qui le visionneront ultérieurement. Merci infiniment. Je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous. Ciao.